On va partir sur trois combinaisons, de simple à complexe. On va dire que le ballon est là, d'accord? Toujours pareil, un positionnement de quatre joueurs. Alors chacun a une zone de prédilection, celui-là sera plus premier, de là, là, et carrément celui-ci au deuxième. Alors le classique, nous on met un joueur ici, on va dire qu'il y a le mur adverse ici, d'accord? On met un joueur ici, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand le coup franc est tiré, raté, tiré un peu vers le bas ou pas très profond, le ballon arrive toujours là. Donc nous on a un joueur qui est là pour la dévier, voire la maîtriser. Mais le but du jeu quand même, pour lui, c'est que la course du ballon soit faite comme ça, en visant le deuxième poteau. Et là, chaque joueur rentre dans un positionnement. Et ça veut dire que si le coup franc est bien tiré, au moins un des quatre joueurs peut toucher le ballon. On va la faire côté droit pour changer. D'accord. Deux joueurs, on la fait généralement quand le ballon est à peu près au-delà des 35 mètres adverses. Toujours pareil, le positionnement à 4 joueurs, 4, 5, c'est suivant comme vous le souhaitez, hein, voire 6. Après, c'est chaque coach met le nombre de joueurs qu'il veut. On va dire qu'il y a le mur adverse est ici, d'accord? Alors évidemment, il y a un code prononcé ici, libre, hein, on lève un bras, deux bras, on le fait sur la première, là, les codes, c'est propre à chaque équipe. Alors, il faut mettre un joueur très très rapide ici, ok? Qui va faire cette course, qui va rentrer dans le mur, et au dernier moment, qui va s'excentrer comme ça. Le passeur, lui, est juste là à lui donner le ballon dans la course. Les quatre joueurs qui vont être à la finition doivent rentrer au moment où le joueur qui a débordé est en mesure de centrer pour qu'il y ait un espace devant eux. Autrement, ils sont déjà installés, c'est compliqué à attaquer. Et ça ferait ça avec un joueur qui rentre là, un là, un là et un là, voire quelqu'un en retrait. Enfin la troisième, plus complexe, un positionnement identique, le ballon est toujours au-delà des 35-40 mètres. Deux joueurs, on a encore notre mur éventuellement, malgré que généralement ils ne mettent pas de mur, on ne va pas le mettre. On va mettre une densité de joueurs là-bas, on va dire qu'on va mettre des adversaires pour que ça soit la réalité d'un match. D'accord. Ici, c'est le même positionnement avec un code bien précis. Et dans les 5 joueurs, il y a un joueur à un moment donné qui va décrocher. Donc la course de notre joueur qui doit aller très très vite, c'est toujours la même. Il passe par-dessus le ballon, il commence à s'écarter. 1,